Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Aujourd'hui, je suis avec mon cousin. Et. Bon, je dis bien que vous allez. Eh ben, c'est grave beau. Et du coup, je suis revenue à Istanbul. Eh ben, c'est trop beau là, le cadre vraiment trop beau. Et là, je vais à un concert de Pinhani pour ceux qui connaissent. Donc voilà, je suis trop contente. Et go! Du coup, j'ai pas dit, mais on se retrouve encore pour un vlog. Et voilà. Eminim hepiniz bir gün güçlükle gelmişsinizdir. Biz de çok zor geldik. C'était incroyable, c'était tellement bien, j'ai kiffé vraiment de ouf. Les artistes sont tellement talentueux, ils font plein de trucs et tout, surtout lui qui chante. Lui il fait de tout, tous les instruments. Moi il faisait du saxophone, il sifflait, il faisait des instruments avant, à cordes et tout, genre plein de trucs comme ça et tout. Et il était trop fort, ils sont tous trop forts, vraiment trop talentueux, c'était trop bien. Aujourd'hui, je suis à Beşiktaş. On est venu à Vaillant. Venez vous. On était parti à leur concert, c'est pour ça que je chante. Pas d'illégal, tout le temps. On est venu dans un resto. Le nom c'est Boyuyo. Ça veut dire. Dans ta plus fin après, je sais pas comment traduire ce mot. Mais bref, et voilà. C'est plutôt cool, une belle vue. Vous montrez ça. Et là, il y a le parc d'attraction. D'ailleurs, je pense qu'il y aller. Il y a un autre jeu. Il y a plusieurs trucs, c'est grave cool. Une très belle vue. Il y a même un parc d'attraction. C'est trop bien. I'm begging, begging you.
rendu. Là, du coup, on a mangé dans un autre endroit, un café, un resto, un truc comme ça, c'est plus un café. Et voilà. Ce qu'on a pris. Moi, c'est mon ami Kek, caramel et les. Salut les gens, on se retrouve un autre jour et aujourd'hui on est encore revenu à Béchiktaş. Je vais vous montrer ce qu'on va faire et voilà. De retour, on est revenu à Thaïlande. Alors là, on est toujours à Thaïlande et on est comme dans un endroit, un parc de jeux. Il y a plusieurs trucs, des trucs pour enfants, des bails de bowling, baby foot. Les cinémas en 7D, il y a plein de trucs, il y a tout, vous voyez. Et même des jeux pour enfants, les chevaux, des trucs comme ça, il y a de tout. Donc franchement, c'est vraiment très cool, genre à venir entre potes. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr, vous n'allez pas galérer, ça, c'est trop bien. Là, nous, on va faire un bowling, donc cool, quoi. Bon bah j'ai perdu, je suis trop nulle, j'étais la dernière. J'avais cassé mon téléphone, j'ai fait tomber. Non, au moins j'ai dit. Maintenant on va jouer au baby foot. Regardez, il y a même une ninja, il y a vraiment tout ça. Là-bas il y a même des grandes trampolines et tout. Il y a des auto-tamponneuses. Vraiment, c'est très grand, trop bien. D'ailleurs, petite précision, j'ai aussi perdu au baby foot. Oui, je suis très nulle. Ce soir, on sort. Et cette fois, on va pas à Béchiktaş ni à Thaïland. Mais cette fois, on va à Fatih, à Sulaymaniyye, si je me trompe pas. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'on fait là-bas, ce que j'ai mangé, et voilà. Et moi, quelle idée, je suis en cycliste, alors qu'il y a du vent. Regardez, il fait froid. C'est beau comme ça, en vrai. Hein. Mais voilà. J'avoue que je suis un peu bête, mais bon, je voulais sortir comme ça, du coup. Je vais supporter le froid. Bon, j'ai quand même pris ma veste comme ça. Vous avez capté la matière. En mode c'est doux et tout, donc ça va. Si on va dans un resto et qu'il est froid, je mettrai ça sur mes jambes. Ça passe. Juste quand je marche, bah je vais avoir froid là par contre. Bon, finalement, on est venu dans un centre commercial. Il est tellement grand, c'est Cevahir. Et ça a chichené à Istanbul aussi. Que je suis à Istanbul, c'est logique. Finalement, on est sorti parce qu'il est 10h et il y a tout qui ferme. Du coup, on est venu dans un resto dans les alentours et on est bête. Parce qu'on a d'abord mangé un dessert et là, on vient manger un bonbon. On ne peut pas calculer notre logique. Hein? Ça a l'air vraiment trop bon. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog. Salut.